Salut à tous mes abonnés et YouTube aussi, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, un petit vlog plutôt sympathique, car aujourd'hui je vous emmène dans le circuit Paul Ricard. Il y aura des belles voitures, il y aura de la bonne compétition qu'on aime, des bons bruits de moteurs V10, V12. Je vous emmène avec moi. Allez, c'est parti et n'hésitez pas avant ça de claquer un maximum de pouces en l'air si la vidéo vous plaît et à la partager, ça fait énormément plaisir. Et notez en commentaire aussi la qualité de la caméra parce que j'ai changé, là je suis sur un ZV-E10 de chez Sony. Donc je pense que la qualité de la caméra est beaucoup mieux qu'avant. Donc notez ça sur 10 et puis on se voit tout de suite sur la grille de départ. Oh, y a Michelin. L'eau, c'est incroyable. Oh les gars, pour tous les fans de golf, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Ça, c'est pas une grosse dinguerie. Oh là 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 là. Incroyable. Oh là là. Incroyable. Là-bas, on a toutes les voitures alignées là. Là, il y a toutes les voitures alignées. Incroyable. C'est ceux qui viennent de rouler là à l'instant. C'est magnifique quoi. Oh là 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 là. Et hop là, ça décapote. Incroyable. Et voilà. Incroyable. Oh les gars, regardez-moi ça. Incroyable. Oh là là. C'est tout vidé. Oh. Bah bah bah. Oh ça, c'est magnifique. Magnifique. Oh, truc de fou. Là, du coup, là, il y a la petite Golf. Et là, la petite Audi qui fait plaisir, hein. Incroyable. La R8. Punaise, que des bolides ici. Et là, là, nous avons le bolide du team V12 Biturbo. Oh, c'est au millimètre. Incroyable. Et voilà le travail. Petite Audi R8. Finesse de la bombe atomique. Oh là là là. Incroyable. Coucou. Oh, incroyable quand même. Truc de fou. Un rêve de gosse. Ils sont bien usés les pneus. Hein. Incroyable. Le stock de pneus. Deux voitures. Oh, du coup les gars, on monte tout en haut pour voir la vue. Ah c'est incroyable. Il faut que je m'habitue à regarder ici. Oh, c'est incroyable les gars. On est sur le circuit. Ah, ils arrivent. Attention, il est là. C'est les 208 là. Incroyable. Ouh. Cette vue quand même, c'est magnifique. La vue sur tout le circuit, incroyable. Thank you.
ça va pas très très vite les 208. Hein. Petit dépassement peut-être. C'est pas fameux du tout. Attention, peut-être le dépassement. Non, pas de dépassement. Ah si. Ah non. Bon les gars, regardez la vue qu'on a quand même. Là on a la vue sur tous les nouvelles voitures qui vont faire la course là prochainement. Du coup là ils sont en train de changer la carrosserie comme vous avez pu voir pour la course d'après. Là pour l'instant c'est 4 heures de 208. Voilà, à l'instant couverte, c'est-à-dire crash-roll. C'est 4 heures de 208 là, et ensuite ça va être un autre truc. Ça va être les voitures speed run, je sais pas quoi là. Oh là là, incroyable. On est au paddock, c'est insane. Incroyable. Bah, là ils sont en train de changer, je sais pas si vous voyez, mais ils sont en train de changer toutes les carrosseries. Pour les nouveaux pilotes, une dinguerie. À très vite. Bon, les gars, du coup, là, comme vous voyez, ils sont en train de gérer toute la mécanique, en train de vérifier toute la mécanique pour la prochaine course. Là, on a une petite voiture plutôt sympathique, une GT3, Porsche GT3. Et ça, ça envoie du sacré panelé. Ah là là, c'est incroyable, incroyable. J'avais jamais été dans un paddock, je suis en train de me régaler de fou, les gars. Allez, hop, on passe sous un tunnel. Wouhou! Ah c'est dinguerie. Ah je kiffe. Oh, y a un petit rassemblement là. Pour une petite Aston Martin. Incroyable. Incroyable. Bah. Ça c'est des petits bijoux ça. Incroyable. Oh là 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 là, ça fait un beau bruit. Hein. Je sais pas si c'est un V12 ou quoi. Bon là on a des petites pépites là, incroyable. Il y a que des belles voitures, que des belles voitures. Punaise. Ah c'est une dinguerie, une grosse dinguerie. Petite Lamborghini préparée, incroyable. Oh là 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 là, l'engin de guerre, ça t'envoie au paradis. Incroyable. Safety car là ici. Oh les gars, un truc de fou, regardez l'épaisseur qu'il y a entre le pneu. On peut même pas mettre le doigt. Oh là 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 là. Il n'y a aucune épaisseur. Le moindre défaut, le pneu il touche la carrosserie. Ça c'est de la voiture de compète. Oh! Ah les gars, il y a ma voiture! Ah! Ma pauvre tête! Il n'y a plus l'aileron! Alors là les gars, on a une petite Porsche. Provisoire, Guillaume Blancardier, rétrogradé. Incroyable. Punaise, c'est une dinguerie. Là l'avant. Voilà. Ça fait kiffer, c'est incroyable. Incroyable. Et là-bas on a, je sais pas c'est quoi comme marque, mais on a une petite voiture plutôt sympathique aussi. De toute façon toutes les voitures ici elles sont sympathiques. Incroyable. Ah, la voiture de tête, j'essaie de retrouver une information sur le nombre de pneus qui sont alloués, mais en fait, le kata de pneus est quand même assez réduit hein, sur les courses de 208. Là, on voit bien que l'intérieur il est vidé avec les arceaux et tout, c'est incroyable. Incroyable. Il n'y a plus rien. Plus rien d'origine. C'est plus une Porsche d'origine. Qui est toujours ah, du coup voilà, on est à côté de la petite 208 qui a couru tout à l'heure. Et là d'ailleurs c'est les mêmes voitures qui sont en train de courir actuellement. Donc regardez. Qui a fait le départ. Hop là, petite 208, ça fait plaisir. Et là on peut voir, quand ils les montent dans les camions, c'est assez fou, parce qu'ils les mettent vraiment les uns par-dessus les autres, c'est incroyable.
Mais là, la voiture, elle a strictement rien à voir. Là, c'est pas la petite 208 de mamie qui va faire ses courses ou aller chercher de pain. Et un et deux. Oh, là, il y a pas assez d'eau. Un et deux. Et un et deux. Mais non. Et un et deux. Oui, maman. Ouais, du coup, là, c'est les petits de 8 ans. Le Castellet, il offre l'opportunité aux petits de moins de 14 ans de piloter des voitures. Donc du coup, on se retrouve avec des petits de 8 ans, 7 ans, 10 ans qui pilotent des petites voitures sympathiques. Bon, il y a des Smart aussi, hein, mais il y a aussi des petites Mazda, des petites BM Z4, des petits trucs sympathiques. Et franchement, ils se régalent. Ouais. Incroyable. Incroyable. Punaise, ma tête la tête de la course. Alors on voit ici hein, la 772 qui est partie à la faute toute seule sur la 772 du team JSP compétition de 20 ans, un certain temps, mais finalement repris tout d'abord par David Frachel puis par... Oh les gars, incroyable. Oh les gars, incroyable. Et une petite Formule 4. Ah les gars, incroyable. Il y a les Formule 4, c'est une dinguerie. Je sais pas s'ils passent leur permis ou quoi, mais ils vont très très doucement, donc peut-être qu'ils passent leur permis, je sais pas. Mais c'est une dinguerie. Petite Formule 4, ils font plaisir. Ah oh là là, que du bonheur, que du bonheur. À me réhydrater parce que là il fait assez chaud, il fait 22-24 degrés, donc du coup je vais aller chercher à boire et nous on se retrouve tout de suite pour la deuxième course de l'après-midi avec les voitures de folie, des bruits de folie aussi, et c'est ça qu'on aime dans le sport automobile. Et on se retrouve tout de suite après les gars, je sais pas quoi dire, je suis trop excité. Là on est sur une course de compétition là. Là on voit toutes les voitures qui commencent à s'installer. Ah là là, là ça va être une dinguerie monumentale. Je sais pas c'est quoi comme type de véhicule, mais franchement, ça promet à envoyer du sacré pâté là. Là on voit un peu les voitures là. Incroyable. Incroyable. Les mesdemoiselles, non ? Le départ pourri. Ah, il a un problème. Il a un gros problème, il va dans les stands. Dépêche parce que là je vais vous montrer quelques angles du circuit, ça va être magnifique, il y aura du virage, de la ligne droite, franchement vous allez kiffer je pense. La direction générale vient de m'annoncer que en fait c'est Sprint Cup la course, voilà, au circuit Paul Ricard, et ça envoie du sacré pâté. Il y a déjà eu un petit dérapage qui a fini dans le sable, presque dans les barrières de sécurité, et je suis complètement essoufflé parce que le circuit il est assez grand quand même. Et comme je dois vous montrer plusieurs plans, la course, comme son nom l'indique, c'est un sprint, du coup elle dure que 25 minutes. Alors du coup,
on est obligé de accélérer quoi. Voilà, à de suite. Part complètement une sucette. On est obligé de prendre les scooters pour aller à l'autre bout du circuit. Petit Forza 125 qui fait plaisir. Ouais, je vais prendre là. Et c'est parti! Eh, franchement, c'est de la patate. J'aime bien, j'apprécie. J'apprécie. Hop, petit virage. Et on va accélérer parce que là on n'a pas trop le time quoi. Si je dois vous proposer des vues sensationnelles, hop là, ouais, c'est personne quand même. Et c'est parti! Attention le dodane! Et un petit virage avec les racines. Et là, vitesse maximum! Punaise! Oh là là! On est enfin arrivé! Ah, j'en peux plus! Hop là! Juste pour que vous vous rendez compte, je dois aller complètement là-bas. Et je dois marcher tout ça. Et après repartir tout au fond, là-bas. Oh là là! Là, là nous sommes dans une excursion. On va courir pour aller voir les voitures sur la ligne droite. J'espère que je vais pas mourir au passage. Oh, ils arrivent! Incroyable! Allez go! J'ai ça pour vous les gars, pour mes abonnés et YouTube aussi. Allez go! Oh, ça arrive! Ils sont où? Je sais plus. Ils sont là. Incroyable! Allez go cours! En plus c'est un sprint, ça dure pas longtemps, ça dure 25 minutes et après on doit retourner au podium pour la fin de la course et pour vous montrer tout simplement le podium. Voilà, pour l'instant c'est une voiture rouge qui est première. Sur la grille de départ elle était troisième et là c'est retrouvée première, elle a fait un excellent départ. Et hop là, c'est parti!
Tenez bien dans vos trophées, messieurs, pour la photo juste en face de vous. Applaudissez-le bien fort. Quel spectacle vous nous avez offert. Bravo. Du coup, c'est une fin de vlog. J'espère que la vidéo vous aura plu. Bon, c'est une première fois que je fais du vlog, surtout avec cette caméra. Donc du coup, je sais pas comment ça va rendre. Je suis essoufflé. Je failli louper le podium. Mais bon, pour vous, je l'ai fait. Et je suis mort, je suis cuit. Donc n'hésitez pas à mettre un maximum de pouces en l'air si la vidéo vous plaît, à la partager. Et puis j'espère que vous êtes fan aussi comme moi d'automobile et que vous en avez eu plein les yeux. J'essaie de faire mon maximum. Allez, ciao, ciao et à la prochaine.